Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Fallout 4. Dans le dernier épisode, nous avions fait le parc qui est derrière moi, hein, on va l'appeler le parc Baby, hein, le Baby Park. Et écoutez, là on va se faire le Luca World, oui, mais le truc galactique. Hein. Bon, on va chercher les noms parce que sinon ça va se voir que je sais pas ce que je fais. La zone galactique, on va vers la zone galactique. Et on avait fait le royaume des petits. Donc bien sûr, il est évident qu'il faut... aïe, toujours fouiller les environs. À la recherche de choses utiles. Et donc de tickets. Puis j'ai vu ces trucs. C'est ça, hein, j'ai tiré dans le machin. Touche écoulée. Splu. Un jeu MB. Placement de produit. Placement de produit évident même. On s'accroupit comment? Ouais, comme ça. Oh, je suis un génie. Je sais encore comment on joue au jeu vidéo. Je suis trop fort. Ça fait un moment, on va pas se mentir. Normalement, cette poubelle s'est fait. Au cas où. Ouais, c'est ça. Ouais, on est près du royaume des petits là, c'est réglé. Normalement. Cette place, j'avais dû la faire. Et ben non, pas du tout. Enfin, comme quoi. Comme quoi. Surprise, hein. Ouais, ça. Il y a toujours des trucs à piquer partout. Des trucs qui ne servent à rien, mais il y a toujours des trucs à piquer partout. Tellement de blaireaux, si peu de temps. Par contre, ça fait plaisir d'arriver dans une zone où à nouveau il y a des accédés. Parce que vu que ça repousse pas dans notre superbe monde. Coca-Cola orange. Orange. Et un autre placement de produit gratuit, ça me fait plaisir. On commence bien la session. Deux placements de produit en moins de 5 minutes. La pêche. La pêche. Alors, Oh. Je suppose qu'il n'y a rien là-dessous. Tiens ça. Ça je prends ça. Il y en a d'autres des comme ça là. Parce que ça c'est rare en fait du coup. Au début tu te dis ça va être super quelconque et super commun. A la fin non c'est rare. Putain qu'est-ce qu'on voit que dalle sous l'eau. Ouais, c'est magique. Ouais, c'est vrai qu'on sait, pas très bien sauter dans Fallout 4. Depuis l'eau. Qu'il faut dire n'est pas naturel comme mouvement. Ah non, ça se ramasse pas, hein. Chaque fois j'y crois. Hein. C'est où en couleur, j'y crois à chaque fois. Ah, quelques tickets. Vous êtes ici. D'accord. Ok, c'est le style, c'est le gros swag. Petit jardin comme ça. C'est stylé, hein. Récupérez la part de votre gang au royaume des petits. Oh. Déjà. On aime déjà autant l'argent que ça. Une accident ici, c'est pas mal. Récupérer la part, je sais pas du coup, parce qu'on a un peu lancé. Voilà, là on arrive un peu entre deux royaumes, on est lancé. Est-ce qu'on va vraiment s'embêter à. Oh, tu me diras, le royaume des petits c'est à côté non plus, c'est pas Los Angeles quoi. Ça peut se faire. Faut aller jusqu'où sur le royaume des petits là, vraiment. C'est en extérieur, ça va. Ça va. Il y a juste à courir tout droit. Allez, c'est parti. Petite course tout droit. On va voir comment ça se passe. Règlement de compte à Okakoral ou pas. J'aimerais bien.
J'aimerais bien qu'il m'envoie un larbin qui fait ouais, tu nous piques tout notre fric, on vient bête de commencer. Splu, splu, et le mec est mort, tu vois. Là, tout de suite, on discute. Là, on serait tout de suite dans un bon jeu. Ils sont où là? Bon, là-bas. Ah, c'est un coffre, ok. En capsule. 55 cartouches de 7,62, c'est pas mal. 3 nuca chéri, 1 nuca cola victory, 1 nuca cola. Un fusil, des jetons, des tickets, d'accord. Donc ça c'est cool, ils donnent des tickets les mecs. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok. Bon bah voilà, on aura appris quelque chose. On aura appris comme quoi tout est possible, tout est réalisable. Voilà. Hop. Je peux fabriquer que du. Nuka Cola. Ça s'écrivait comme ça, Nuka. Ah non, c'est bien ça, c'est le Nuka Cola, d'accord, c'est le nouveau cola. Allez, c'était rigolo. J'étais content d'être passé par ici. Ceci dit, en vrai, vachement cool les petites machines pour fabriquer des Nuka Cola. Je vais encore pouvoir me gaver d'XP quand je vais rentrer chez WAM avec tout mon bordel. Avec mes 4,5 tonnes de matos sur le dos. Hein? Oula, qu'est-ce que c'est ça? Grillon des cavernes. Comme c'est pas mignon du tout. L'angle de tir de cette arme, c'est je l'aime beaucoup hein, mais si tu joues pas au Svav avec cette arme, tu touches jamais rien hein. Oh, plastron ceinturé, tes opérateurs charisme et intelligence, ah. Oh, il est stylé, il a un petit style hein. C'est pas mal, il manque un grillon là. Eh hey mec, j'ai paumé un grillon. Pourtant, ceux-là, ils étaient quand même vachement bien nourris. Hein. Me dis pas qu'il y a un grillon qui est passé sous la map, sinon ça va m'énerver. Oula, ça y est, ça m'énerve déjà. Alors, le dernier grillon, il est où? Où qu'il est? Loupiote. On verra pas beaucoup plus clair, mais on y verra un chouï plus clair. Disons qu'on verra des ombres se dessiner. Ça peut dépanner. Bon, bah, il est perdu dans l'espace. Oh, qu'est-ce qu'il faisait ces cons? Ah, il bouffait un bramine, ok. Un larve de ver de sang? Pas très beaucoup cette bestiole. Je préfère les mouches bouffites de mon monde, de mon univers. C'était mieux. De mon pays. A plus tard les bestioles, hein. Beaucoup plus tard. Puisque de toute façon, nous n'allions pas dans la direction visiblement du parc auquel vous appartenez. D'ailleurs, savoir ce sera lequel. Ah, vous appartenez à l'usine. Visiblement. D'accord. Bon. C'est vrai que je pourrais reprendre l'usine. Je pourrais reprendre l'usine pour le donner aux gamins. Possédés là, qui ont déjà le royaume des petits. Ah ouais, j'avoue, l'usine c'est tentant hein. Non, ce que je voulais faire, le prendre un autre, une autre zone. Mais l'usine, l'usine ça a quand même un charme hein. Allez. Excusez-moi, je change d'avis. Le mec change d'avis toutes les 10 secondes. Finalement, go l'usine. Go voir les grillons et les larves. Désolé pour ce papillonnage hein. Intensif. C'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais pas.
Tu me rush là, c'est ça? Bah c'est dommage. Mais ah, il était luminescent. Vert de sang. Mais c'est gigote. Comme t'es mignon. Ah, 94%, bien sûr, j'ai tiré à côté, ça fait toujours plaisir. Oh, et de savate! Il finit à l'ancienne, hein, moi je dis. Hein. Meilleur choix. Bon, ça a pas l'air d'être la bestiole la plus méchante du coin. Mais méfions-nous quand même. Il y avait une larve de sang là devant moi. Elle était toute rouge. J'en ai eu mémoire, vous en avez eu mémoire. Nous sommes bien d'accord. Il y avait un truc. Le jeu me fait dépop les cadavres. Intéressant. Ah oui, je me dis mince, on entend l'usine de l'autre côté, c'est pas du bon côté. Non, ça va être une des attractions. On t'a pas tué ici, hein. Moi je te garantis, j'ai pas tiré aussi loin. Ce jeu est possédé. Ou alors je suis extrêmement fatigué. C'est possible aussi, mais je crois pas. Du moins j'en ai pas l'impression. Ah ouais, c'est pas les vacances, faut sortir son flingue hein. Quand même. Peu de respect. Même si c'était pas bien méchant comme bestiole. Voilà, on n'est pas en vacances. Je ferais bien le tour de piste hein, tant que j'y suis. Allez hop. C'est à dire les alentours de l'usine Putain, ça pourrait presque faire un seul et même épisode que de faire juste les tours des usines à chaque fois. En vrai, ça prend déjà pas mal de temps. Oh, en tout cas, il y a de la fleurette. Hein. Il y a de la fleurette. Vous êtes tous récupérés. Nice. Bordure de plage. Poubelle. Il y a des poubelles. Une petite bouteille. Hop. Ok. Très bien. On aime ce genre de matériaux. Ah. Oui, on aime les tables de pique-nique qu'on peut regarder. Oh, un crabe. Il y a un crabe. Il y a un crabe. On va se faire un fangeux. Voilà. Comme ça, je pourrais mettre fin à cet épisode. Glorieusement. Ah, et cette bouteille là à récupérer, celle là est-ce que j'ai un endroit où je peux remonter ou je vais galérer pendant 1000 jours? Ouais, si ça va, ça se fait. Et je vous dis, en vrai on peut vraiment se faire juste un épisode de tour de piste là hein. C'est fou hein. C'est fou. Quand même quelques ressources naturelles à piller, ça c'est toujours cool. Donc il faut que je passe de l'autre côté pour allumer le fond jeu. Ouais, non, allez, on va pas aller chercher le fond jeu, non, parce que sinon je crois que vous allez me détester. Si vraiment je continue à faire des tours comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez demander à être remboursé. Remboursé, bon, faudra demander à YouTube, hein, parce que moi il me rémunère pas déjà, alors c'est pas avec moi qu'il faut voir du coup. D'ailleurs je vous remercie, hein. On est 260 sur la chaîne, c'est incroyable, c'est fou. Bon, principalement des gens qui sont abonnés il y a longtemps pour Mad Max. Il y a très très longtemps pour Fallout 4. C'est vrai. C'est vrai. Alors, cet épisode avançant donc à grands pas, vous en conviendrez. Je pense qu'il est temps de faire une pause pour que je me serve un café. Ah, bah je me suis déjà servi en fait. Ce café n'est pas encore froid, c'était très appréciable. Voilà, c'est la première et dernière gorgée qui n'était pas gelée. C'était cool.
Mais faut que j'aille dans, j'ai mon arme, hein. C'est la guerre, hein. Tout ça, les gens sont pas sympas et tout, hein. Y a des méchantes bestioles là sur le bord. Ah, en tout cas, y a une sortie là. Des fois, ça vaut le coup de se montrer tout de suite. Comme... Ça, la cible, elle a le temps de mariner, elle perd son sang-froid et elle fait des erreurs. Une idée de con, si tu veux mon avis. Pourquoi c'est pas bien de stresser les gens déjà. Je suis en train de me dire. Hein. Quelques débris, je sais pas si c'est intéressant que j'aille jusque là-bas. On est vraiment obligé okay, de se donc là on peut rentrer dans l'usine par ici, ok. Visiblement il n'y a rien d'intéressant, moi qu'il y ait quelque chose là au milieu de. Ouais, il y a que dalle, hein. Sur le sol ils sont pas fait chier, hein, pour le Nuka World là. On va juste aller voir au bout. On va se faire le tour de l'usine. Je vous l'ai promis, vous allez la voir. Tiens, il y a des choses. Il y a un squelette. Aventure Safari. Pardon. Moi, ouais, j'ai regardé sur la carte, on n'y était pas. Hein. Ah bah maintenant on y est. D'accord. Ok. Bon bah, je suis navré. On a découvert Aventure Safari, on va devoir faire Aventure Safari. Ça me dérange pas, ça. C'est la zone que je voulais donner au mec avec les clébards. C'est ceux qui me paraissaient les moins tarés dans les tarés, tu vois. Un bramilu. D'accord. Et c'est considéré comme étant genre hostilement méchant, quoi. Ça a l'air d'attaquer, hein, ce truc, hein. Voilà, avec une tête blindée. Incroyable. Avec vos vaches OGM à deux têtes là. C'était marrant. C'est très cool. On recommence quand ils veulent. Moi, la chasse au gros, j'aime beaucoup. J'ai toujours été très fan de la chasse au gros. Est-ce que quelque part j'aurais pas trouvé une excuse en or pour j'aurais pas trouvé une excuse en or pour par exemple aller buter ce fameux crabe. Ce fameux fangeux. Rappelez-vous, on avait croisé un fangeu à la distance d'affichage de l'herbe est quand même ridicule là. Oui c'est ça, est-ce qu'on peut changer ça? J'ai dû refaire un peu mes options, excusez-moi. J'espère d'ailleurs que ce sera fluide de votre côté. J'ai dû me battre un petit peu fondu de l'herbe. Ouais quand même, ce serait mieux. Voilà. Normalement la distance d'affichage sera meilleure. Voilà. Surtout tu nous affiches les buissons de plus loin, ça nous arrangerait. Du coup pont. Le pont qui mène au safari. Il nous ramène vers l'usine. Il est où mon crabe? J'avais vu un crabe. Il est où le crabe? Là, je me suis fait arnaquer un crabe. Je suis dégoûté. Ah il doit être là-bas. Il est là-bas même. Ah il est là. Ah oui mais il est pas au même Ah ouais non il est à Dry Rock Gulch. Qu'est-ce qu'ils foutent là eux? On a rien à foutre ici ou? On a parié sur qui descendrait un mutant à la plus grande distance. William s'est fait attaquer une capsule cette semaine. Mais qui vous autorise à circuler sur mon territoire? Bande de sacs à merde! C'est bien d'être le patron. A des petits côtés positifs. Ah,
mauvaise idée. T'es en train de flipper dans le décor, mec. Ah, c'est toi qui me tire dessus. Ah, mais non, mais mec, non, mais con. C'était une blague, c'était une blague. Arrête, c'était une blague. Porteur, arrête. Arrête de te faire du mal. Oh bah, si tu veux te marrer, vas-y. Hein. Moi, je suis devenu un sac à pef depuis. Hein. Tu veux pas te calmer, je vais te calmer. Hein. Tu te calmes ou je te calme. Calme-toi. Calme-toi. Ça suffit. Arrête. Rends-toi. Rends-toi. J'ai glissé sur ton cadavre. Rends-toi. Ah voilà, t'es calmé. Ouf. C'est-à-dire que j'ai failli lui mettre un critique dans la tête, hein. C'était pas... Ça allait pas être rigolo, hein. Ça va, c'était que des mafieries. On va se battre avec ça pendant 10 jours. Ah non, mais t'es chiant, arrête. Oh là là, il est relou. Et sinon, ça s'arrête un jour ou pas? Sinon, on va être obligé de mourir et d'attendre. Hein. Oh, tu m'as eu, Billy. Bravo, Billy. Donc on n'a pas le droit de descendre les mafieux, sinon il le vit mal. D'accord. C'est là où je me dis, si j'avais eu Strong avec moi, ça ne se serait pas passé pareil. Normalement, le dernier point de sauvegarde n'est pas trop loin. Excite les mecs, normalement. On sent que la reprise sur Fallout est un peu dure, non? je ne sais plus. Je ne sais plus. J'aimerais bien enchaîner les épisodes, mais il me faudrait du temps. Il me faudrait du temps vraiment pour vous enchaîner les épisodes. Alors là-bas, on avait découvert le Safari Country Club. Ce qui, du coup, n'est pas dans notre intérêt. Nous n'allons pas faire le Safari Country Club. Nous allons faire l'usine. Allez. Et puis on ira derrière après. Plus tard, quand on sera grand. Pour l'instant, on est petit. On n'a pas le droit d'y aller. Signal de radio, base 88 trouvée. Hein, mais j'ai déjà fait cette base. Pourquoi tu me causes? Statue débile, statue débile. Un monde de rafraîchissement. Yes. Nettoyer la zone en long, en large, en travers. Monte des rafraîchissements, c'est parti. Visiblement. Beaucoup de routes qui continuent quand même par là. Jetons un œil. Oh, bon, on va se faire, de toute façon, on va se faire tout le tour de la zone. On va rien perdre, hein. On va pas en perdre une miette. C'est pas le genre de la baraque. Vous le savez. À moins que vous m'annonciez très clairement que vous l'avez déjà fait, que vous savez qu'il n'y a absolument rien autour et que je vais perdre des heures de VOD pour rien. Mais bon, si on trouve une accidée, on a tout gagné, hein, vous connaissez. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Vous voyez, regardez, on a tout trouvé, hein. Un artilleur. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il doit avoir d'autres potes derrière, non? C'était marqué en rouge, genre t'es quelqu'un de pas très très gentil, je dirais même plutôt quelqu'un de très très méchant. Tu
Les crumbs, sur tout ce qu'on trouve sur eux. Wow. Attention, la planche légendaire. Si votre santé est faible, vous infligez plus de dégâts. Oh là 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 là, la planche berserk, hein. Incroyable. Une tourelle. Ah, c'est pas moi qui les détruise. Hein. Qui les détruit. Oui, il est détruite. Je vous jure, je vais retrouver mon latin avant la fin de cet épisode. C'est vraiment mon engagement politique pour l'année 2020 en cours. Ah, c'est pas en cours? Alors c'est bon, j'ai pas besoin de m'engager politiquement. Allez. De toute façon, je serais comme tous les politiciens, hein, je m'en tirais. Oh, c'est classique. Donc, zone charmante. Allons visiter. Oh, déjà il y a quelque chose là. Peut-être même quelque chose dans le tuyau, mais je pense pas qu'on puisse entrer dans le tuyau. Non, nous on va pas pouvoir rentrer dans le tuyau. Voilà, j'ai l'impression que le fait d'avoir modifié le fondu de l'herbe a fait laguer la vidéo alors. Est-ce que c'est parce que je viens de changer l'option pendant que j'enregistrais, du coup ça va ramer lol tout le long? Bien, ça va ramer tout court. Des œufs. Ah non, c'est des fausses morilles. Je veux dire, des œufs de crocodile avec pas de crocodile autour. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Un gros truc jaune. Des trucs et des machins. Une fleur. Oh, une autre fausse morille. Pas intéressant. J'aime beaucoup. La fausse morille qui est du coup la moins rare de tout, enfin le moins rare de tous nos ingrédients, puisque sous roquette machin là, j'ai Rasta Rocket en tête les gars, mais c'est pas ça, vous m'avez compris, Red Rocket, le deuxième à mon poste qu'on prend dans le jeu littéralement, juste après le départ. Sanctuary Hills. Et ben vous avez une grotte avec donc des fausses morilles, et vu qu'elles se régénèrent en ennemis toutes les semaines, et bien les fausses morilles se régénèrent aussi. Tout du moins moi ce que j'ai quand je descends et que je décide de la faire parce que ça me saoule d'avoir le signal radio. Il m'arrive parfois en off comme ça de me balader, de tuer mon prochain. Voilà. Des gazelles. Oh c'est mignon, c'est kawaii. C'est bon, je la one shot en fait, c'est ça. Là tu vas me dire que je la one shot, mais j'y crois plus parce que je serai détecté. Et donc, voilà. Triple OS. Zblu. Oh, c'était bien. Dommage. C'était mignon comme bestiole en plus pour une fois. Ça avait pas l'air de vouloir nous attaquer, nous sauter à la gorge ni rien. Ça avait l'air plutôt cool comme bestiole. Mais il y a un autre truc là-haut. Il y a une base sur cette autoroute, c'est quoi ces conneries? Ça c'est pas très naturel comme construction. Ah, il y a bien un spot à découvrir là-bas. Intéressant. Ah, donc le Duke World est bien plus grand que juste trois parcs d'attractions qui se battent en duel. Ah. Mais on commence à être un peu hors map, dirais-je. Est-ce que j'ai envie de nous amener hors map dans un épisode qui est déjà beaucoup trop long? Courons sur cette route, voir un peu ce qu'on y découvre. Je crois que j'ai déjà fait tout ça. Donc la très bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà normalement tout fait. C'était par là que j'étais passé, je crois, pour aller. Ah, visiblement non. Si, si, ça a été fait. Mais j'ai oublié une boîte de sandwich, mais lol. On s'en fout quoi. Donc ça a été fait. Très bien. Eh bien, c'est ce petit côté d'autoroute qui m'intéresse bien. Je dirais qu'on a tellement rien glandé qu'à la limite, et que l'épisode est déjà tellement long que plutôt que de vous en faire un extrêmement long, je pense qu'on va aller voir ce qu'il y a sur cette autoroute. Et je mettrai fin à cet épisode, et tout de suite après, comme ça, je vous en tourne un deuxième. Voilà, c'est magnifique. Waouh!
Beau chargement du mur, vraiment. On a kiffé. Hein. Ah, vraiment, on a trouvé ça extraordinaire. Hein. C'était un beau mur. Hein. Toujours courir au milieu de la pampa, voir s'il n'y a pas un trésor, une merde qui traîne, un coffre, un débile. Ah. Bah non, c'est pas une accès, suis-je bête. Il y a un truc fiévreux là. Je sais pas pourquoi vous prenez ça. On va dire que vous savez ce que vous faites. Exactement. On va dire que je suis ton boss et qu'évidemment, vu que je suis ton boss et que je suis le boss en plus tout court, c'est que très probablement je sais ce que je fais. Intéressant. Il y a de la vie là-haut, hein. Bizarre ce truc. Personne dans les environs? Genre c'est juste une cabane comme ça. Avec un sac de ciment. Belle. Des munitions. Pour de la bouffe évidemment. Ah, c'est le Formule 1 du coin je pense. Hein. Y a pas de lit, hein. y a juste un canap. Alors c'est la cabane de pause déjeuner des locaux. D'accord. Y a ce truc là étrange là, la lumière est chelou sur ce. Ok, c'est un nid. C'est un nid de je ne sais quoi, mais c'est un nid. Y a un truc qui est mort au milieu de ce machin. Savoir ce que c'est Non. Grillon, non. Ah, des darillons. Oh, regardez son mignon. Oh, regardez les mignons. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, le darillon. Sinon, tu vas lui tirer dessus, quoi. Et à un moment donné, tu décides de lui mettre des balles. Non, mais sérieux, là. Je vais se débrouiller avec moi, visiblement il veut pas que je tire dessus. Hein. Non mais tu veux pas les toucher, c'est chiant. Voilà, je le dis, moi c'est chiant. Je trouve ça chiant. Alors que l'autre il les auto-shot quoi, je suis dégoûté de ma vie. Viens moi ce connard, il veut pas les toucher. Voilà, tu touches, hein, je veux pas le savoir. Très mauvaise idée. Ah, l'autre il est parti quoi, la queue entre les pattes quoi. Ah, j'ai pas vu trop ce que ça faisait, mais je pense que ça le faisait. Ouais, ouais, tire dans le bout du corps, on s'en fout maintenant. Hein. Faut qu'il tombe le machin. C'était marrant. Ouais, c'est assez rigolo. Tu es un pillard avec pas d'informations d'autre que tu te trimbalais avec ton keus. Et mauvaise pioche, t'es passé au milieu des nids de Darion.
ni de Darion qu'on ne peut pas visiblement détruire. Je suis un peu déçu. Ça par contre je suis déçu. C'est vraiment toujours un truc que je trouve vraiment dommage. Un peu si avec les crocos là, on avait eu le choix. On avait eu le choix avec les crocos de leur rendre un œuf ou tu peux tout piquer si tu veux. C'est vraiment un choix que tu peux faire de porter atteinte à leur espèce et à leur vie en général. En détruisant les générations futures. Et bien là, voilà, c'est dommage. C'est littéralement trois nids de guêpes au même endroit. Alors est-ce que ce sont des nids individuels, c'est-à-dire qu'on a tué les seules bestioles qu'il y avait dedans? Mais je pense plus qu'on a tué les seules bestioles qui étaient capables de gigoter dedans. Mais toutes les autres espèces, toutes les autres bestioles, bah le fangeux, le crocodile, tout ça, on a toujours le choix de défoncer leur nid ou pas en fait. Et pas là. Et là pour le coup je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Parce que je pense que c'est justement quelque chose d'important, je veux dire, dans un jeu. Et c'est même dommage qu'ils aient pas... J'aurais apprécié un jour qu'ils aient des couilles à la Mass Effect, si vous voulez, c'est-à-dire d'amener... amener notre sauvegarde d'un jeu dans le jeu suivant avec les conséquences justement que ça. Là en vrai ça n'a pas de réelles conséquences, j'avoue on s'en fout un peu. Je comprends ensuite, hein, c'est pas le cheval de bataille de Bethesda et puis c'est beaucoup de boulot parce que... Il y a déjà beaucoup de contenu dans le jeu de base. Donc ce serait vraiment beaucoup de boulot. D'accord, je lui donne raison quand même. Parce que sinon après ils vont le faire railler. Parce que s'il dit que je suis en furtivité mais pas... Adieu le grippin. Tu n'auras pas le temps de become devenir humain quoi. Hop là. Ouais le titre en français c'est become devenir humain. Ah merde. Bon vous m'excuserez je suis pas en furtivité hein, du coup. Hein. Non ça je l'avais fait du coup. Par des fusils de... Pfff, vas-y refoutre. Voilà. C'est ça. Ah, c'est là où j'ai désingué l'eau. Et j'ai même pas fouillé autour. C'est là où j'ai tué l'artilleur. Et j'ai même pas fouillé autour. On sent que le mec, il est là, mais il est pas là ou pas. Capitaine des artilleurs. Ça sent le mec qui se pose là. Vous savez quoi, je vais quand même faire une sauvegarde. Parce que ça sent quand même le mec qui se pose là. Enfin c'est pas un mec, c'est une meuf, mais ça change rien, c'est un mec. Plus facile de tirer dessus quand tu te dis que c'est un mec. Si ça tenait qu'à moi, je laisserais toutes ces merdes. Mais c'est vous le boss. Je te dirais bien que c'est parce que je ramasse toutes ces merdes que c'est moi le boss. Ok, très bien. Ok, ok. Donc on va pouvoir fouiller les deux bâtisses. Ça c'est la bâtisse avec l'ascenseur, hein. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire dessus. Tu es une bâtisse qui contient un ascenseur, mais contiens-tu autre chose? C'est un peu notre question. Une munition de calibre 12. Mes capteurs détectent une forme de vie douée de conscience. Augmentation du niveau d'alerte. Fin de l'alerte. Précis hein le grippin. Je suis doué d'intelligence et genre fin de l'alerte dès que je sors du bâtiment. C'est bon, il n'y a plus d'alerte. Plus de problème, le problème a été réglé. Ah ouais, vous l'avez tué? Non, il est sorti du périmètre de sécurité. Créature douée de conscience, tu t'es quand même en droit de te dire que tu vas avoir d'autres en merde. Hein. Mais bon. Suze nous dit que... Hein. Capitaine des artilleurs qui n'avait pas d'objet légendaire sur lui. Je suis un peu déçu. Un sèche-linge quelconque... Il y a moult merderie, hein. Mais il y a un Red Rocket par là. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Ah oui, d'accord.
D'accord, il y a... y a une vraie ville alentour. Ah mais je crois qu'on nous en avait parlé en plus de la ville alentour. Oh, je dis peut-être des conneries, je sais plus. Oh là, ça fait tellement longtemps. Et je suis un vieux. Oh là là, je me rappelle plus. Et merde. Alors, un peu de soin. D'accord. Bon, il y avait rien d'autre à voir. Oh, ça c'est joli ça. Bonjour. J'aurais pas dû faire ça. Parce que je ne sais plus si c'est dans... parce que bon, des fois il m'arrive parfois de jouer à Skyrim, mais je sais que dans Skyrim, pareil, je ne déclenche pas les pièges. Ce serait pas le moment de se merder à de... Oh, je déclenche pas les pièges, BAM! Ah bah si, dans Fallout, en fait, je déclenche encore les pièges. Oups. Petite bavure. Donc cet avant-poste a été fouillé... J'avais vu au loin un accident que j'aurais aimé récupérer. Et je ne sais plus si je l'ai récupéré parce que je suis là, mais je ne suis pas là. N'oubliez pas que j'ai toujours pas bu mon premier café en entier, incroyable. Et en plus je l'ai bu chaud, pas froid, hein. Attention. Forcément ça réveille moins. C'est moins dégueu quoi. J'ai envie d'aller voir ça là. La petite grue vite fait. Oui, pendant que je me fais de cette réflexion, j'ai eu le temps de boire mon café. Et ouais, pendant que je vous raconte ça, j'ai le temps de m'en servir. Hein. Ni vu ni connu, je vous embrouille. Et hop, je l'en mets à réchauffer. Allez hop. C'est parti. Je ne peux pas aller par là, mais je vais y aller. Ah, c'est vraiment, c'est je ne peux pas quoi. T'as mis un tronc d'arbre, je peux pas aller dessus quoi. T'as mis un tronc d'arbre pour accorder deux espaces zones, mais j'ai pas le droit. J'ai le droit d'aller vraiment un petit peu quand même par là comme ça. D'accord. Quand même j'ai un peu le droit. T'as mis des trucs sympas un peu ici ou pas? Oui. Oui c'est validé, c'est sympa ça. Oui c'est le ventre qui est vulnérable chez toi. Bingo. Paf. 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 Et paf la pastèque. Qu'est-ce que ça envoyait Valdinguer? Un cadavre de vache, c'est ça? Eh ben voilà! Ah, un bramibufle là. Un bramibufle, je pense. Ça zouk du boule quand c'est mort, c'est rigolo. Les fausses morilles, ok. Cache thoracique, des petits os, ah, c'est bien ça. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger mais voilà, je voudrais juste vous prendre ça, merci. Vous êtes bien aimable. Vous ne devriez pas tendre votre boule comme ça monsieur, c'est comme ça qu'on se fait tamponner. Par n'importe quoi. Voilà. Eh bien maintenant que j'ai à peu près vu les fleurs de nuit, maintenant j'aimerais bien voir les fleurs de jour. Parce que là on est un petit peu on voit pas grand chose quoi. Un petit peu s'il y a un truc à voir je le verrai pas quoi. Bon bah cool, en tout cas on a trouvé un crocodile et ça c'est cool. Et j'ai même pas regardé le nom que ça avait, hein, donc je vais encore appeler ça un crocodile, voilà. D'accord. Youpi. Ça porte un nom hein. Et je vous jure en plus je connais le nom hein. Genre j'en ai déjà croisé hein. Vous êtes témoin en plus hein, j'en ai déjà croisé. Voilà, j'ai oublié. Mais ça avait un très joli nom hein. Genre ça devait s'appeler genre quelque chose comme Francis ou un truc comme ça. C'était pas mal je me rappelais. Je me rappelle que c'était cool. Fougère mutante. Bouton qui monte. Ça nous ramène sur le chantier, d'accord. Sac de sable et tout ce qui va bien. Pas de baston? Bon allez, je vais bien me faire engrainer par un truc ici, non? Camion du pauvre. Alors du pauvre hein. Donc là on revient sur l'avant-poste. Est-ce que je pousse plus loin les recherches? Non.
Alors, je pense que en vrai, en vidéo, là, on est déjà pas mal. On a déjà fait quelques tours et détours. Je pense qu'il est grand temps d'aller les voir. Le pont de Brad Burton. Ouais, c'est le plus important. Et après lui. Quel tueur professionnel, hein. Le pont de Brad Burton. J'ai rechargé mon arme, ouais. Ouais, je suis un pro. J'ai fait ça bien. On peut taper un roupillon ici. OKLM. OKLM. En fait, ils font aussi motel. Voilà. Vous saurez tout sur les pillards. Voilà, on a un Space Marines. Oh, armure assistée. Alors là, faut pas que je me merde. Il faut que j'évite de la bousiller. Parce que des fois, les armures assistées, quand elles sont bousillées, bon, vous l'avez déjà vu sûrement avec moi d'ailleurs, vous pouvez pas les récupérer. Genre la pièce disparaît en fait. Elle est détruite physiquement. Il y a du blindage. Il y a du blindage. Le colonel, je peux le faire easy money. Mais c'est pas la première menace, donc ça sert à rien que je claque mon. Ça va être intéressant de te gérer toi là tout de suite en fait. Space Marines, en avant! Mais ouais. J'ai touché à 31%. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, le pauvre, ce qui lui est arrivé. Alors là, je pense que c'est pour tous les 94% qui sont pas passés. Il a payé pour ça en fait. J'avais laissé, je crois, une accident traîner par là. Ça s'est très très bien passé. T51 et du T51B, un plastron T60. Oh, pff, encore le bordel, mec. Vous pouvez pas avoir un seul et unique set d'armure sur le dos. Oh, vous me gonflez. Comment on fait après? Après le triage à la maison, c'est le bordel. C'est le bordel. Déjà qu'on a des armures, à plus savoir quoi en foutre. Incroyable. Petit plateau télé. Qui sont des petits plateaux télé comme ça, hein. C'est vacances, c'est plaisir. Ah là 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 là. Et on planque la bouteille de Sky tranquillement.
On fait genre, en fait, on se fait un petit plateau télé. Que dalle, ouais, c'est l'apéro, ouais. Et ils ont cru qu'on s'en apercevrait pas. Ils s'en foutent, ces Gaulois. Ils s'en foutent, ces Romains, excusez-moi. je crois que j'ai pété un niveau, là, non? Ouais. Level up, allez. C'est pour vous, vous l'avez mérité. C'est le level up. Bon, tout ça, c'est réglé depuis très longtemps. Ouais, faire les poches 50% plus vite et vous pouvez vous les armes équipées par la cible, ouais. C'est pas... Ouais, j'avais commencé à aimer ça. Sauf que je commençais à trouver ça rigolo. Vous devenez totalement détestable lorsque vous vous trouvez sous l'eau. Ah! Bah vas-y, c'est cool. Et ça boucle un truc en plus. Voilà, sauvegarde auto. Parfait. Et j'ai descendu le tas de ferraille là-bas. Ok. Ah mais il y a d'autres Space Marines là. C'est un Space Marine ça? Ah non, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une armure. Ah! Oh, ils ont tous une armure assistée par tête de bite là. En même temps c'est que des officiers hein, donc il y a moyen que ce soit le cas. On évite d'abîmer des pièces d'armure si jamais elle la prend. Adieu, colonel. Ok. Bon bah écoutez, la bonne planque très rentable hein. Très très rentable hein. Les petits artilleurs là, c'est du plaisir hein. C'est que du plaisir hein. Y a pas de mal-être à un moment donné, on est bien hein. Sur toute la longueur. Pas de munitions, des cartouches dans tous les sens, ça fait plaisir. Très 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 cool, pas de fausses surprises, pas de pièges, pas de machin. Et même un petit terminal d'artilleur, voyons voir ce qui se dit dessus. Journaux personnels, d'accord, très bien. L'équipe de reconnaissance a disparu. Donc c'est le caporal Tordit du quatrième rapport d'opération. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le sergent Lanier et son équipe de reconnaissance sont partis pour l'usine de mise en bouteille de Nuka World. Un jour après leur départ, nos éclaireurs ont commencé à voir des fangeux luisants envahir la zone. Nous avons essayé d'en repousser quelques-uns. Mais ces choses sont bien plus résistantes que les fangeux habituels. J'ai envoyé un soldat au QG pour avoir des renforts. En attendant son retour, il n'y a pas grand chose à... il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire à part tenir le camp. Ah oui, parce qu'on sait que les fangeux ils aiment bien le Nuka. Hein. Ah, je suppose qu'on va avoir des Nuka fangeux, des spéciales. Ah, ce serait cool. Généralement, on a toujours un fangeux un peu spécial. Parce que tout est super spécial. Et vous êtes quelqu'un de spécial. Ce qu'on oublie, c'est que les fangeux... Oh, attention. Théorie Bob Lennon, à la Bob Lennon chez Ginette. Oh, j'arrive pas à prononcer un mot, j'ai pas bu assez de café, désolé. Est-ce que les fangeux super spécial, quelque part, puisqu'ils sont vraiment spéciaux, est-ce que quelque part, ce n'étaient pas des anciens habitants d'Abri? Ah oui, parce que nous, on est quelqu'un de spécial, finalement. Voilà, c'était une théorie à la con, c'est mon plaisir. N'hésitez pas à la diffuser autour de vous. Hein. Vous la diffusez, foutez le bordel. C'est gratuit. On maintient le camp. Ok, troisième rapport. Ah ouais, non mais attends, je lis les rapports à l'envers. Non mais c'est chiant. Oh, je lis les rapports à l'envers. Bon bah tant pis, on a commencé à lire à l'envers, on va les finir à l'envers. Non, on va le lire à l'endroit. Établissement du camp de base. Ça aurait été sympa, Bethesda par exemple, de le ranger dans l'ordre. Merci. Sergent Lanier, premier rapport d'opération.
Avec un détachement envoyé pour explorer les zones de l'ouest du Commonwealth, nous sommes tombés sur le centre de transit de Nuka World. Après avoir collé une balle à un type qui était un leurre plus qu'évident, nous avons décidé de ne pas utiliser le monorail et nous nous sommes dirigés vers les montagnes. Le terrain s'est avéré plus raide que prévu et nous avons perdu la communication avec le QG des artilleurs. Peu importe, ça nous est déjà arrivé par le passé. Et si la situation tourne mal, une équipe de secours nous sera envoyée. L'une de nos recrues a mentionné qu'il avait entendu parler d'un avant-poste marchant dans le coin. Ça pourrait valoir le coup. Nous avons établi notre camp de base sur le pont de Bradburton. Pour l'instant, j'enverrai bientôt des équipes en reconnaissance. C'est quoi cet endroit ? Sergent Lanier. Ah oui, c'est le sergent, ouais, d'accord. C'est le sergent qui est pas encore décédé, qui meurt dans le quatrième épisode. Ouais, c'est des épisodes, c'est tout, c'est cool. Bref, maintenant que j'ai pu l'observer un peu mieux, je dois avouer que Nuka World est un endroit étrange. Je n'arrive pas à comprendre son intérêt à l'époque. C'est comme une série de places fortifiées, mais les portails d'avant-guerre ne semblent même pas avoir de portes. Sans les tempêtes radioactives régulières, cet endroit serait parfait. Si on parvient à trouver une bonne prise d'où déloger les pillards, ce serait énorme. D'accord. On maintient le camp. Je prends le contrôle de cet avant-poste en tant qu'officier le plus gradé. Le sergent Lanier a décidé de mener une équipe de reconnaissance à l'usine de mise en bouteille du Coca-Cola pour l'explorer. Un des soldats a demandé pourquoi elle tenait à mener l'équipe elle-même. Et après lui avoir fait sauter quelques dents, elle lui a répondu que quelque chose clochait là-bas. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle veut dire, mais je ne suis pas assez stupide pour la contredire. Ah, est-ce que quelque part, on va pas trouver du... Quelque part, on va pas trouver les autres artilleurs là-bas, peut-être même encore en vie, qui sait. Vous plaisantez pas, hein ? Non, j'ai pas d'humour. L'humour, c'est pour les connards. Je fais un petit entretien vite fait de cette armure, surtout pour les pièces en fait. Il doit y avoir quelque chose à réparer, non ? Ah, j'ai vraiment collé que des têtes, quoi. Genre, comme un pro. Oh, c'est dégueulasse. Au secours. Au secours. C'est une horreur. C'est un bordel monstre. Il n'y a pas une seule pièce qui est d'accord avec l'autre. C'est magnifique. Incroyable. Et alors, ce qui est stylé quand on est en armure à cité, bien sûr, c'est... Voilà. Les ascenseurs, c'est pour les autres. D'accord. Eh bien, tout ceci est fort intéressant, vous en conviendrez, mais... est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre fin à cet épisode ? Oh, on a un tuyau éventré, là. On a une accidée ici. Ah, si, c'est sur la zone qui nous intéresse toujours. Hein. Attention, on redescend vers le... Vers notre artilleur qu'on a descendu un peu plus bas. Qui était aussi un colonel. Parce que les mecs ils disent caporal sergent, mais en fait ce ne sont que des colonels. Ça c'est... Alors, pareil, je vais faire une petite parenthèse. Bethesda, ce serait sympa que quand tu nous marques caporal machin, sergent bidule, ceci, cela, on ait affaire, même ce qui soit plus fort, mais qu'on ait affaire à des gens où t'as inséré le nom sergent bidule. Tu vois, même si c'est un colonel parce qu'il est fort et un commandant machin, parce qu'on est à un niveau où effectivement on nous balance que du balèze dans la bouche, mais qui porte encore les noms en fait, qui leur va bien, qui ait une certaine cohérence, parce que là c'est vrai que bon, à ce stade du jeu, c'est rigolo de se dire oui, j'ai affaire au plus fort à chaque fois des colonels et des commandants, mais ça n'a plus aucune logique quoi. Je veux dire, littéralement, actuellement, il ne reste plus que des hauts officiers. Artilleur en vie. Et c'est ceux qui viennent me combattre. Hein. Pourquoi je m'épuise? Je m'épuise parce que je peux pas trimballer aussi lourd. Je dois être considéré en surcharge. Je suis en armure assistée parce que j'ai pas les bonus de mon armure standard. C'est pour ça. Ok. Je crois que j'ai vu... Plantouille là-dedans, non? Non.
Excusez-moi. Ah, mais soyez en de rien. Fou, si, je m'en prie quand même. Ça se fait. Donc voilà. La cohérence scénaristique est partie. Enfin, la cohérence de l'univers est partie en sucette en fait. C'est un peu dommage. J'aurais apprécié qu'elle soit maintenue préservée. Ah oui, non, mais je suis vraiment en surcharge en fait. Je suis vraiment devenu un gros lard. Ah bah oui, c'est sûr, je trimballe deux armures assistées sur moi. Je suis un gros lard qui trimballe deux armures assistées. Faut dire aussi. Je vais pas visiter ça. Bon, véhicule renversé. Quelqu'un dedans. J'aime beaucoup ces décors avec petite merde cachée un peu à gauche à droite, mais cachée évident. Ça c'est c'est quelque chose par contre que j'apprécie beaucoup. Vraiment, c'est caché, mais en fait tu flaires un peu, bon, tu trouves quoi. Y a pas besoin de tourner en rond pendant 10 heures, y a pas besoin d'être un expert, pas besoin d'avoir une compétence spéciale, non. Tu fouilles un peu, tu trouves quoi. Ce qui est bien plus appréciable que les espèces de coffres que tu peux pas. Ou les PC que tu peux pas déverrouiller en début de jeu parce que t'as pas les compétences qui vont bien alors que tu les as tout de suite placées sous ton nez. Il t'oblige à revenir quelques niveaux plus tard. C'est un peu chiant. En sachant que quelques niveaux plus tard, si t'as claqué tous tes points dans ce niveau là. Voilà. Il est où l'autre abruti là? J'avais un pillard avec moi. Je vous jure, j'avais un pillard. Je vous jure. De mémoire, il s'appelait Philippe. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé ce con. Le duc à grappe. Ouais, non, parce qu'il fait son propre raisin, duc à cola. J'ai perdu ce con. Mais je suis tellement tenté d'aller faire. Excusez-moi, ma voix qui se part en sucette. Je suis tellement tenté d'aller faire le reste là extérieur. On va se retrouver dans un autre épisode. Parce que déjà, c'est largement assez long comme ça. Et puis, ça me laisse le temps de retrouver mon clodo là. Mon pillard que je trimballais avec moi. Donc écoutez, je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming, j'espère que bah, vous ne serez pas emmerdé, que vous aurez quand même découvert 2-3 trucs sympas. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, ciao.